Alors, je vais faire une conclusion très courte, vu que le train, on va essayer de le prendre, pardon. Alors, merci à tous. Comme vient de dire Boris, hein, donc je ne veux oublier personne, donc je vais globaliser et dire merci à tous. Merci d'une organisation qui s'étoffe avec une représentation en région, et c'est très bien d'arriver à travailler à la fois sur une, on va dire, voilà, sur un lieu central qui est Paris et qui restera Paris, et des antennes qui sont périphériques mais essentielles sur la diffusion de l'information. Et on espère qu'à demain, on pourra être encore meilleur sur la diffusion de l'information, parce que vous avez fait un travail énorme sur une présentation qui est très qualitative, qui représente, alors non pas l'ensemble des travaux d'IDEL, mais une partie des travaux, et surtout des points, on va dire, différenciants ou nouveaux, qui ramènent de la fraîcheur à chaque année. Et ça, c'est quand même essentiel. Donc, bravo à vous tous. Et puis moi, j'ai trouvé que la positive attitude, elle était là. Vous aviez la pêche, l'envie, la jeunesse. Ça me rajeunit un peu, ça fait du bien. Donc j'espère qu'on va continuer dans cet esprit-là pour envoyer des influx positifs à la filière, parce que la sinistrose amène à la sinistrose, et ce qu'il faut qu'on évite par-dessus tout, c'est bien ça. Donc on a besoin de voir de l'engagement et de l'envie. Et j'espère que les projets multipartenariales ou RIO, hein, voilà, vont encore s'élargir pour faire qu'on puisse embarquer l'ensemble de la nébuleuse de l'élevage dans nos stratégies. Et qui d'elle restera voilà, un levier de traitement de la donnée, avec toujours quand même, même si on est un peu agaçant, une impulsion des professionnels pour faire un peu le garde-fou et faire qu'on reste quand même sur une ligne de conduite qui a du sens pour la filière et les éleveurs. Voilà, donc félicitations à tous et félicitations aux deux animateurs. Alors l'un a été bien meilleur que l'autre sur la gestion du temps, je le précise, hein. Voilà. Mais dans tous les cas, c'est pas moi qui ai mobilisé la parole, donc c'est pas mes raisons, et je m'excuse si j'ai beaucoup toussé. Voilà, ne cherchez pas la raison. Il paraît qu'on a dit qu'on allait mesurer bientôt mes gaz à effet de serre pour voir si on peut améliorer le cas. Bon, voilà, une bronchite qui dure. Bon, mais j'étais là quand même, et on a essayé d'être présent et de vous accompagner. Félicitations et à très bientôt.